gegereje witegure umesi bishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye Nyagasani mana yacu imana iri hejuru ya byose imana yari n'isi n'ijuru imana yatwiremeye ikatugira abayo kuri uyu munsi wa none tuje kugushimira kuko watugejeje ahangaha amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro turaguhamagaye rero kugira ngo uzubane natwe umanukire kutweza ndetse no kudutunganya imigisha wadusezeranyije nyagasani ukayisezeranyije abazakwizera bose reka ariyo iba hagati muri twe kandi bane natwe tubyambaje mu izina rya Yesu hanze na kiza kiraboneka komeza Yesu naza gusiga ora n'ibyiringiro kanushikame ibyamaganya y'isi ntibyumvitaho Ujuhora n'ibyishimo twahisemo neza cyane kwibera mu nzu ya Data imira bisumba byose nta bwiza duhungabanya twahisemo neza cyane kwibera mu nzu ya Data Une bonne chanson que vous venez de présenter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne plus de talent. Prions. Twicaye ku birenge byawe nyagasani dukeneye kumva icyo dushaka icyo twifuzaho kugira ngo tubashe kugendera mu nzira zawe tubashe kugendera mu bushake bwawe reka rero uyu mwanya ubu wawe usabye nyagasani kugira ngo usubane nanjye unyuzemo ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe maze twese hamwe uzabashe kudukiza maze tuzabashe kugusanganira mu bwami bwawe tubyambaje mu izina rya Yesu Nongeye rero kunezezwa no guhagarara imbere yanyu muri iki gitondo. Je suis contente de me tenir devant vous ce matin. Aho tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Kuva ku isabato ishize hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri. Depuis le sabbat passé le 10 février. Kwatangiye icyumweru cy'umuryango. Nous avons commencé une semaine dédiée à la famille. Aho hano turembo natwe twagijije kuko iyo ni gahunda ya cyangwa conférence yaduhaye. Nous aussi ici à Lorembo on a fait le même programme parce que ça vient de la conférence générale. Aho twatangiye icyo cyumweru turi kwiga dufashijwe na Madame Pasteur imbaraga z'amasengesho. Nous avons commencé cette semaine un étudiant avec Madame Pasteur, la force de la prière. Est-ce que vous vous souvenez de cette prédication? Aho ya giraga cyane ababyeyi gusengera byimazeyo abana babo. Là où elle rappelait surtout les parents de prier pour leurs enfants. Icyo cyumweru rero twagikomeje hari za articles twagiye tuboherereza. Alors, au cours de la semaine, on vous a envoyé quelques articles. Ndetse twagize n'amahirwe
no kwigishwa n'umuvuga butumwa wari uri mu Rwanda adutegurira ibyigisho bitugenewe twebwe nk'abitorero byo ku rurembo. Et nous avons même eu la chance d'avoir les prédications d'un évangéliste qui est au Rwanda, qui avait préparé des prédications surtout pour nous à Ourembo. Est-ce qu'il y en a ceux qui ont suivi ça? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les suivre, ils sont encore là. Vous pouvez aller les visionner ou les écouter parce qu'il y a des bons messages vraiment destinés pour nous. Il y en a ceux qui sont sur notre site de l'Urembo. Nous avons un canal dans le groupe WhatsApp où il y a département de communication. Et ils sont également sur le WhatsApp département de communication. Et c'est le groupe Yamifem. Et sur le groupe de Mifem. Il va aller à la telle crise au groupe. Nareba ababishinzwe kugira ngo babashe kubongeraho maze namwe mubashe gukurikira ubutumwa bwiza. Si il y en a ceux qui ne sont pas sur ces groupes, vous pouvez voir les gens qui sont les responsables de ces deux départements pour qu'ils puissent ajouter vos noms. Uyu munsi rero icyo cyumweru niho tugisoza. Alors aujourd'hui on va clôturer cette semaine. Kandi tukagisozanya na gahunda dufite nyuma ya saa sita. On va clôturer avec un autre programme qu'on a cet après-midi. Aho turi buze kureba uburyo twagira ingo zizira umuze. Là où nous allons voir ensemble comment on peut avoir des foyers sains. Aho ngaho ni saa munani n'igice uyu mugoroba, ndabararikira mwese rwose kuba muhari kugira ngo twumve icyo Imana yaduteganyije. Alors c'est cet après-midi à 14h30 et je vous invite tous à venir pour qu'on puisse écouter ensemble ce que Dieu a prévu pour nous. Aka kanya rero dufite icyigisho kivuga ngo icyo Imana itegereje ku rugo. Alors le titre du message d'aujourd'hui s'intitule ce que Dieu attend de nos foyers. Icyo Imana itegereje ku rugo rwawe, icyo Imana itegereje ku muryango wawe. Ce que Dieu attend de ton foyer, ce que Dieu attend de ta famille. Kuko Imana ishiraho umuryango mu busitani bwa Edeni. Parce que quand Dieu a fondé l'institution de la famille, il avait un plan pour la famille. Hari cyo yifuzaga ko uwo muryango wamara. Il avait vraiment des idées conçues pour cette famille. Dusomye mu tangiriro icyo cya kabiri umurongo wa gatanu wa cumi na gatanu gito. Lisons en Genèse chapitre 2 verset 15. Ravuga ngo Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Imana imaze kurema umuntu yamushakiye urugo ahanga tubona ko icyo gihe hari mu busitani bwa Edeni. Quand Dieu a venu de créer l'homme, il a fondé une demeure, un foyer pour lui. Aho yashize Adamu na Eva. Là où il a placé Adam et Eve. Imana rero yari itegereje iki kuri uwo muryango. Alors qu'est-ce que Dieu attendait de cette famille? Icya mbere Imana yifuzaga kwishyira ikizana muri uwo muryango. La première des choses c'est que Dieu voulait vraiment être le bienvenu dans cette famille. Ni nacyo yifuza ku muryango wawe, irifuza kwishyira ikizana. Et c'est ce qu'il aimerait également pour ta famille. Irifuza kwisanga. J'aimerais être le bienvenu. Iyo dusomye mu butumwa bwiza dusanga Yesu hari umuryango yakundaga kujyamo. Lorsque nous lisons dans l'Évangile, nous trouvons qu'il y a une famille en particulier que Jésus aimait visiter. Wari umuryango wa Lazaro ndetse n'abashiti be.
C'était la famille de Lazare et ses sœurs. Yesu yakundaga kugenderera uwo muryango. Jésus aimait beaucoup rendre visite à cette famille. Ahungaho akahagirira ibihe byiza. Il avait vraiment passé des bons moments avec eux. Elena White aratubwira ngo abamarayika bishimira gusura urugo rugendera kuri gahunda y'Imana. Ellen White dit que même les anges sont très contents de visiter les familles, les foyers qui aiment bien faire ce que Dieu veut. Alors pose-toi la question, est-ce que Dieu aimerait visiter ta famille? Imana yiteze amatwi ikumva wowe mugore nawe mugabo muri kuganira ese aho ibiganiro byanyu nibituma Imana iza mu muryango wanyu. Pose-toi la question, quand Dieu écoute ce que toi femme et homme vous êtes en train d'avoir comme conversation, pensez-vous que Dieu aimerait être dans cette conversation? Peut-être qu'ici à l'église, vous êtes tout calme. Mais quand il y a quelque chose sur laquelle vous ne vous entendez pas bien, est-ce qu'il n'y a pas de dispute dans vos foyers? Est-ce qu'il n'y aurait pas des mots qui blessent que vous lancez? Est-ce qu'il n'y a même pas des insultes qui peuvent rentrer dans vos conversations? Pensez-y. Bana muri ahangaha iyo muganira n'ababyeyi ese murumvira ababyeyi banyu? Les jeunes qui sont ici, quand vous avez une conversation avec vos parents, est-ce que vous les obéissez? Ese iyo bababwiye bababwirana umutima utuje cyangwa nabo bababwira babashihura? Quand ils vous parlent, quand vos parents vous parlent, est-ce qu'ils vous parlent calmement ou c'est vraiment d'une mauvaise façon? Imana yishimira kugenera urugo harimo urukundo. Dieu aime visiter une famille dans laquelle il y a l'amour. Aho abarutuye banezezwa no kugirirana neza. Là où les membres de cette famille se plaisent à faire du bien les uns aux autres. Itangiriro 3:8 haratubwira ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi ku mafu ya nimunsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. En Genèse 3, verset 8, c'est écrit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ici, Adam et Ève venaient de pécher. Ce que Dieu avait comme plan pour eux venait d'être échoué. Aho noneho batangiye kumva imirindi y'Imana aho kugira ngo bagende bayisanganira ahubwo ho bajya kwihisha. Alors quand ils ont entendu Dieu venir, au lieu d'aller à sa rencontre, ils sont allés se cacher. Ngaho nawe tekereza mu rugo rwawe iyo wumvise umukristo wo kwitorera ahangaha aje kugusura. Alors pense à ton propre foyer quand il y a un membre de l'église qui vient vous rendre visite. Est-ce que c'est là que tu commences à tout cacher? Peut-être que c'est là que tu vas mettre les chansons de Dieu. Et puis vous commencez à rire. Mes chers frères et sœurs, on ne peut rien cacher à Dieu. Imana irifuza guhora munezerewe. Imana irifuza guhora ibasura igihe cyose. Dieu aimerait que vous soyez tout le temps content. Il aimerait passer du temps avec vous. Abandi wenda bobesanzwe bimwereye inzoga ariko bakumva hari umuntu ujya kubasura mu itorero noneho bagashyiraho amaji ku meza. Il y en a peut-être qui ont l'habitude de boire de l'alcool, mais quand il y a un membre de l'église qui vient,
ils vont mettre tout ça de côté, ils vont mettre des jus. Ngaho ndi kuvuga umuntu wo mwitorero umuntu dusengana ariko na ntumutekereze imana nyirijuru. Là je parle de quelqu'un de l'église, quelqu'un qui prie avec vous, mais pensez maintenant à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est imana wabasha kwihisha. On peut cacher quelque chose à Dieu? On peut tout cacher aux gens de votre église, aux frères et sœurs. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Quand imana irifuza kuba iwacu ikahagira ubuturo bwayo, irifuza kwishyira ikizana. Et Dieu aimerait être dans nos foyers, il veut faire de nos foyers sa demeure. Donc, Imana irifuza kwisanga, irifuza kuza igasangirana natwe. Il veut être le bienvenu, il veut tout partager avec nous. Icya kabiri, icyo ni icyambere tumaze kureba. Icya kabiri, Imana irifuza ko mu muryango ari aho gucungira umutekano, ndabisobanura. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, Dieu aimerait que la famille, le foyer soit un lieu de protection. Dusomye inkuru iri mu itangazamakuru kuva igice cya kabiri. Si nous lisons une histoire qui est en Exode chapitre 2. Turacyari kumwe? Est-ce que nous sommes Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Imana iratwifuriza ibyiza. Dieu ne veut que du bien pour nous. Icya kabiri turagisangamakuru kuva igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane. Exode chapitre 2 verset 1 à 4. Uwo mugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntani, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Murongo wa kane, mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri kumugaho. Il est écrit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Ici, on nous dit l'histoire de Moïse et sa mère. Alors, le temps dans lequel Moïse est né, c'est le temps où le roi Pharaon avait donné comme ordre que tous les bébés garçons qui naissent soient tués. Nous pouvons dire que l'ange Satan a dit qu'il n'y avait pas de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le temps où Satan avait planifié des choses horribles pour les gens, les garçons de ce temps-là. Mais j'aime beaucoup l'histoire de cette maman. Elle a dit, même si tous les bébés sont en train d'être tués, mais ça n'arrivera pas à mon fils. Umwana wanjye ibi ntago bizamubaho. Niyo mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo arinde urupfu umwana we. C'est pour ça elle a tout fait pour protéger son enfant. Muri Matayo 2:13-15. En Matthieu chapitre 2 verset 13 à 15. Tuhasanga na none inkuru ya Yesu na Yosefu. On y trouve l'histoire de Jésus et Joseph. Bibiliya itubwira ko malayika w'Imana yabonekeye Yosefu akamubwira ati la Bible nous dit que l'ange de Dieu a apparu à Joseph et lui a dit d'amener l'enfant et sa maman dans un endroit pour se cacher. Et c'est ça que Joseph a fait. Pour qu'il puisse protéger Jésus.
Alors, vous les parents qui sont ici, que faites-vous pour protéger vos enfants? Quand la mère de Moïse, la maman de Moïse a dit que son enfant n'allait pas être mis à mort, quand Joseph a obéi à la voix de l'ange et qu'il a amené Jésus et sa mère dans un lieu sûr. Alors la question nous est posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos jeunes ne soient pas influencés par ce qui nous entoure? Qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants ne soient pas des homosexuels? Qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants ne soient pas des ivrognes? Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Parce qu'il veut que le foyer soit un lieu où les parents vont protéger la vie spirituelle de leurs enfants. Le Seigneur veut que le salut de nos enfants soit protégé. Il y a une histoire qui m'a fort étonnée qui se trouve en Genèse, chapitre 12, verset 10 à 17. On va lire. Aravuga ngo inzara itera muri icyo gihugu. Aburamu azamuka ajya muri Egiputa asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa abwira Sarayi umugore we ati: dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirwe neza ku bwawe, ukurishe ukirishe ubugingo bwanjye. Aburamu ageze muri Egiputa, abanyegiputa bareba ko uko uwa mugore ari mwiza cyane. Murongo wa 15, abatware ba Farawo baramureba baramushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo, agirira Aburamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe zingore n'izingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye amubora Sarayi umugore wa Aburahamu. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarayi, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarayi, femme d'Abraham. Angaha, il mourra tout bira. Pourquoi nous disons que Abraham a sauté la mouréjipota, moudihe, halihaba yamapa? Alors, comme vous venez de l'entendre, cette histoire nous parle de
d'Abraham quand il est descendu à l'Égypte à cause de la famine. Alors, comme on l'a dit dans l'histoire, Pharaon a pris Sarai, la femme d'Abraham, pour que elle appartienne. Alors, chose étonnante, l'Éternel a puni non seulement Pharaon, mais aussi toute sa maisonnée. Mais est-ce que sa maisonnée avait fait quelque chose? Est-ce que les enfants de Pharaon avaient fait quelque chose? Mais à cause du péché du père, de la famille, toute la maisonnée a subi des conséquences. Chers frères et sœurs, marchez dans un chemin droit, parce que chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas bien, ça amène des conséquences aussi à vos enfants, à toute la famille. En Exode 20, verset 5, ça dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Chers parents qui êtes ici, nous aimons beaucoup nos enfants. Ariko twitonde kugira ngo ibyo twebwe tugenderamo bitabagiraho ingaruka. Mais faisons attention pour que notre conduite ne les affecte pas. Kuko nanone mu ijambo ry'Imana dusoma ko abagendera mu nzira y'Imana, Imana ihumugisha ababakomokaho ngo kugeza ku bisekuruza byinshi. Parce que nous lisons aussi dans la parole de Dieu que ceux qui marchent dans un chemin droit, dans le chemin droit, Dieu les bénit jusqu'à 1000 générations. Donc c'est pour cela que nous devons faire attention à notre façon de nous comporter. Quand nous assurons la sécurité des gens qui nous sont chers, donc nous faisons attention à ce que nous faisons. Alors posons-nous la question si le chemin dans lequel nous sommes amène les bénédictions, les malédictions à notre famille. Il y a ceux qui pensent que c'est leur vie, c'est leur choix, ça ne regarde que eux-mêmes. Mais il y a ce que Ellen White nous dit là-dessus. Ça se trouve dans le livre Foyer chrétien. C'est-à-dire que c'est impossible que quelqu'un vive sans avoir des influences. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs, ça a une influence, ça a des conséquences sur les gens de notre famille. Si vous êtes content, vous êtes heureux, les gens qui vous entourent aussi le sont. Mais pensez-y donc, chère maman qui sont ici, quand vous êtes en colère, ça a des répercussions sur toute la famille. Les enfants ont peur. Même votre mari aura peur de vous à cause de la façon dont vous êtes.
Niyo mpamvu rero tugomba kwitonda. C'est pour ça que nous devrions faire attention. Kuko ibyo dukora byose bigira ingaruka. Parce que tout ce que nous faisons, ça a des conséquences, des répercussions aux autres. Muri iminsi abasore benshi bafite depression. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de la dépression. Kubera ibyo babona mu miryango yabo. À cause de ce qu'ils voient dans leur famille. Ntawo bafite babibwira. Ils n'ont personne à qui parler. Menya umubyeyi urangaha ko ni inshingano zawe kugira ngo abari mu rugo rwawe bagubwe neza mu buryo bw'umwuka ariko ndetse no mu buryo bw'umubiri. Sache, cher parent qui est ici présent, que tu devrais assurer le bien-être de tous ces membres de ta famille, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Ça c'est la vraie sécurité que Dieu aimerait que soit dans nos familles. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Haravuga ngo kugirana inama nziza. La troisième chose, c'est se donner des bons conseils. Kugirana inama nziza. Se donner des bons conseils. Mugabo ukagira inama nziza umugore wawe. Homme, donne un bon conseil à ta femme. Mugore ukagira inama nziza umugabo wawe. Femme, donne un bon conseil à ton mari. Mubyeyi gira inama nziza abana bawe. Chers parents, donne des bons conseils à tes enfants. Inkuru iri mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 21 umurongo wa 7 kugeza kuwa 10. Il y a une histoire qui est dans le premier livre des rois, chapitre 21, verset 7 à 10. Aravuga ngo umugore wa Yezabeli aramubwira ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushire agahinda, ninge uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli. Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azohereza abatware n'imfura wo mu murwa w'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami, nuko muhere ku mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice. Alors il est écrit, alors Jézabel sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la ville de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, mêlez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Dore inama umugore yagiriye umugabo we. Voyez un conseil qu'une femme a donné à son mari. Uyu Akabu yararikiye uruzabibu rwa Naboti. So, Akab a convoité la vigne de Naboth. Nuko Naboti yanga kurumuha aravuga ati ntabwo natanga umurage wa sogokuruza. Mais Naboth n'a pas voulu lui donner cette vigne parce qu'elle a dit ça appartenait à mes ancêtres, alors je ne peux pas la donner. Ngo nuko Akab bimutera agahinda kenshi ndetse yanga no kurya. Alors Akab a été très attristé par ça et il a même refusé de manger. Aho kugira ngo Yezabeli aze agirwe inama umugabo we ati mugabo wanjye ibi ntabwo ari ibyacu, hari ibindi natwe dufite, ahubwo yamugiriye inama zo kumuruha kurushaho. Mais au lieu que Jezabel donne un bon conseil à son mari, par exemple en disant mon cher mari,
c'est pas grave, on a assez de choses, ça ne nous appartient pas. Elle m'a donné des mauvais conseils qui l'ont ruiné. Iyo ukomeje iyi nkuru usanga umuryango wose wabo wararimbutse kubera iki gikorwa bakoze. Lorsque nous allons plus loin dans cette histoire, nous trouvons que toute la famille a eu une mauvaise fin à cause de ça. None se niyihe nama mugore ugira umugabo wawe. Alors femme, quel conseil donnes-tu à ton mari? Iyo umugabo wawe afitanye ikibazo n'umuntu uramubwira ati n'ubundi bihurane tuzongeye no kubasura. Quand ton mari a un problème avec quelqu'un, est-ce que tu dis ah ben laisse tomber, on n'ira même plus chez eux? Est-ce que vous lui dites oh il a fait ça, il t'a fait ça, alors attends je vais te montrer. Oh mais quel conseil donnes-tu à ta femme? Est-ce que tu lui donnes des conseils qui le ramènent dans le chemin du salut? Ou tu lui donnes des conseils qui vont l'amener à sa ruine. Et nous avons vu que ce genre de conseils, ça n'affecte pas une seule personne, mais toute la famille. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tuhasanga nanone inkuru ya Ananiya na Safira. Quand nous lisons dans le livre d'Actes des Apôtres, nous trouvons là-bas l'histoire de Ananiya et Safira. Abo bombi bafashe icyemezo cyo kujya kubesha intumwa. Ces deux-là ont pris la décision d'aller mentir aux apôtres. Babyumvikanaho neza rwose. Alors ils se sont mis d'accord là-dessus. Maze baragenda bajya kubesha ariko ingaruka turazizi ngo bose barapfuye. Alors ils sont allés mentir, mais nous connaissons tous la conséquence, les deux sont morts. Ntabwo nzi niba bari bafite abana, ariko se abo bana babaye imfubyi niba bari babafite kubera izihe mpamvu. Je ne sais pas si ils avaient des enfants, mais s'ils en avaient, ces enfants-là sont devenus orphelins à cause de quoi? Naho namwe mutekereze bagabo bagore babyeyi muri aha ngaha ni izihe nama mucura mu miryango yanyu? Alors pensez-y, homme, femme qui est ici aujourd'hui, quel genre de conseils vous donnez-vous dans vos familles? Ni ubuhe bucakura bubera mu miryango yanyu? Quelle sorte de malignité se passe dans vos foyers? Uyu munsi Imana ikitubwira nuko ibyo nta kindi bizana uretse kurimbuka. Aujourd'hui le Seigneur nous dit que ça ne nous amène nulle part que à la ruine. Hari ikindi kibazo gikunda kubaho, wenda umugore akagira inama umugabo ariko umugabo ntiyumve. Puis des fois il y a un problème que une femme peut donner un conseil à son mari, mais le mari ne veut pas. Ou le mari donne un conseil à sa femme, mais sa femme ne veut rien savoir. En Matthieu, chapitre 27, verset 19, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Il est écrit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Aha ngaha ni umugore wa Pilato. Ici, on nous parle de la femme de Pilate. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus, comment on l'a pris, on l'a amené devant Pilate. Honnêtement, même Pilate ne voyait aucun péché. Il demandait, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Les autres disaient, on veut qu'il soit crucifié. Dans ce moment de doute, c'est là qu'il a reçu le message de sa femme. Et c'est là que le verset 19 nous dit ça. Elle a dit, ne fais rien à ce juste. Vous connaissez l'histoire, est-ce qu'il a obéi à sa femme?
ntago Pilato yigeze yumvira ibyo umugore we yamubwiraga. Il n'a pas accepté le conseil de sa femme. Ahubwo yaravuze ati ibyo bizambarweho nabanje bose. Et il a dit que cela soit sur moi et toute ma postérité. Ngizo ingaruka bene data. Voici les conséquences. Nizo ngaruka zo kutumvira inama nziza. Voici les conséquences de ne pas écouter les bons conseils. Ariko ikibabaza kurusha byose nuko iyo banze kumva bya bindi byose bigira ingaruka kubagize umuryango wose. Mais la chose triste c'est que quand on refuse d'écouter, les conséquences sont sur toute la famille. Ngaho tekereza abana wawe ukunda, umugore wawe ukunda, umugabo wawe ukunda. Alors pensez à vos enfants, à votre mari ou à votre femme. Et c'est icyo bifuriza koko n'ukugira ingaruka z'ibikorwa byawe. Est-ce que tu leur souhaites d'avoir des mauvaises conséquences? Cyangwa icyo bifuriza n'ukugira ngo bazajyane mu ijuru nawe. Ou tu aimerais qu'ils aillent au ciel avec toi? Icya kane. La quatrième chose, urugo Imana yifuza ko ruba ishuri. Dieu veut que le foyer soit comme une école. Urugo Imana yifuza ko ruba ishuri. Le foyer devrait être une école. Iyo dusomye mu migani igice cya 22 murongo wa gatandatu. En Proverbe chapitre 22 verset 6. Aravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Kandi Yesaya 54 umurongo wa 13 haravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. En Esaïe 54 verset 13 il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Ngaho nawe ibaze mu mutima wawe. Niki abana bawe bari kwigira mu rugo iwawe. Alors réfléchissez, qu'est-ce que vos enfants apprennent dans votre foyer? Ese umusore uzava mu rugo rwawe azavayo afite kwa kwitanga nk'ukose. Est-ce que un jeune homme qui sera grandi sous ton toit, est-ce qu'il sera un homme vaillant qui se donne comme son père? Est-ce qu'il va aimer sa future épouse comme il voit son père aimer sa mère? Est-ce qu'il aura le même amour que ce qu'il voit chez toi? Murugo ni shuri, murugo ni ho abana bacu bigira. Le foyer est une école, c'est là où nos enfants apprennent. Et c'est inkumi izava mu ngo zacu. La jeune fille qui sera grandie sous notre toit. Et c'est azavamo umugore mwiza. Est-ce qu'elle sera une bonne femme? Et c'est azavamo umukobwa uzi kwifata. Est-ce que elle sera une fille qui se comporte bien? Cyangwa azaba umukobwa uri abiri hanze. Ou sera-t-il une fille qui n'a pas d'éducation? N'inshingano zacu n'ababyeyi kumenya ibyo bintu ko mu rugo niho abana bacu bigira. C'est notre responsabilité en tant que parents de savoir que nos enfants apprennent des choses dans le foyer. Gusenga abana ntabwo babyigira hano mu rusengero. Les enfants ne devraient pas apprendre à prier ici dans l'église. Gusenga abana babyigira mu rugo. Devraient l'apprendre dans la maison. Ese abana bawe ufata umwanya wo kubigisha gusenga Imana koko? Est-ce que tu prends le temps de leur apprendre à prier Dieu? Ukabigisha uti iyo uhuye n'ikibazo nta handi ugomba kujya ugomba gusanga Imana? Est-ce que tu leur dis que quand ils rencontrent un problème ils devraient aller d'abord à Dieu? Bakabyiga kandi banakabikwigiraho. Il faut qu'ils apprennent ça et surtout qu'ils apprennent ça de toi. Rugo muri iki gihe Satani azana ibindi byinshi. De nos jours Satan amène plein de mauvaises choses. Aho televiziyo zateye maintenant
sévère de la télévision. Abana benshi bamara amasaha menshi imbere ya za télévision. Beaucoup d'enfants passent beaucoup de temps devant les télé. Akenshi n'ababyeyi batari ruhande rwabo ngo babone ibyo bari kwigiraho. Et la plupart du temps, les parents ne sont pas tout prêts pour voir ce que ces enfants sont en train de regarder. Nibo uzumva umwana asohoye ijambo ati se yabyigiye. Et c'est là que à un moment donné, tu entendras l'enfant dire un mot et tu te poseras la question. D'où il a appris ça. Et l'enfant qui entre dans la prostitution et tu te poses la question où est-ce qu'il a appris ça, il n'a pas vu ça chez nous. Il n'en a pas d'alcool chez nous, comment est-ce qu'il est devenu ivrogne? Des histoires d'homosexuels, cet enfant-là, où est-ce qu'il a appris ça? Parce qu'on n'a pas, ça chez nous. Réfléchissons bien à quel genre de leçons cet enfant-là apprend dans ton foyer. Et Ellen White nous dit que la chose la plus précieuse qu'on devrait laisser à nos enfants, c'est de les apprendre à travailler. Et les apprendre à avoir une vie d'abnégation. Chers frères et sœurs, réfléchissons à ce que nous apprenons à nos enfants. Quand ils vous voient travaillant avec zèle dans la maison de Dieu, ça va les pousser à dire plus tard, je vais être impliqué dans les choses de Dieu comme mon père. Ici parmi nous, il y en a beaucoup qui ont eu des papas qui étaient pasteurs. Je pense que vous pensez souvent à ce que vous voyez justement chez votre père, comment il se donnait pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que je mens? Ce que nos parents faisaient, ça revient souvent dans nos pensées. Alors, que diront vos enfants? Qu'est-ce qu'ils diront que tu faisais pour le Seigneur? Est-ce qu'un jour ils vont se prosterner devant le Seigneur et dire le Seigneur que mon père honorait? Seigneur que ma mère honorait. Alors dans nos foyers, c'est la première école dans laquelle nos enfants devraient apprendre. Ikindi mu rugo Imana yifuza ko haba igicaniro cy'amasengesho. Une autre chose, c'est que Dieu aimerait que nos foyers soient les hôtels de prière. Mu rugo ntabwo Imana yifuza ko ari hahandi dutangira kuvugira abandi. Dieu n'aimerait pas que dans nos foyers on commence à critiquer les autres. Et là on commence à médire, à faire la médisance. On commence à dire que okay, l'as-tu vu, qu'est-ce qu'il voulait montrer? C'est pas ça que Dieu attend de nos foyers. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est vraiment de faire à ce que s'il y a un frère ou une soeur qui a un problème, qu'on se mette ensemble et qu'on prie pour cette personne. Là où l'homme va regarder son épouse et dire que mon épouse a besoin de prière. Et tu te prosternes devant Dieu et tu montres ta femme à Dieu. Dans le foyer, Dieu veut que les parents se prosternent devant leurs enfants.
Dieu veut que les parents se mettent ensemble, se prosternent devant l'Éternel et prient pour leurs enfants. Et prient pour leur avenir. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui les attirent. Est-ce que dans ta maison, il y a un hôtel de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, il pourrait facilement appeler chez vous pour dire « Priez pour moi » Parce qu'il sait que chez vous, vous avez l'habitude de vous réunir et prier ensemble. Dieu veut que ceux qui prient, prient ensemble. Dieu n'aimerait pas te voir, ton homme, aller au ciel et laisser derrière ta femme et tes enfants. Les jeunes, Dieu n'aimerait pas vous voir aller au ciel et laisser papa et maman derrière. Mais il aimerait que toute la famille monte à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Dans nos foyers, c'est là où nous devrions prier aussi pour notre église. Est-ce que chez vous, vous prenez du temps pour vraiment prier pour notre église de Rembo? Prions pour le réveil de notre église? Est-ce que vous priez pour que votre église puisse croître? C'est cela que Dieu attend de nos foyers. Il faut absolument qu'on réfléchisse et qu'on regarde qu'est-ce qui est prioritaire dans nos vies. Est-ce que dans notre foyer, la chose essentielle, la chose importante, c'est juste d'avoir de l'argent? Ce qui est essentiel, c'est de pousser ses études le plus loin possible. Est-ce que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir un bon travail? Est-ce que la chose essentielle chez nous, c'est d'avoir des maisons extraordinaires, des maisons les plus chères? Posons-nous la question. Quand avant de fonder ton foyer, qu'est-ce que tu trouvais important? Ou peut-être tu disais, quand on va fonder notre foyer, ma future épouse a ça comme salaire et moi aussi j'ai un tel montant, on va être les plus riches. L'important pour toi était que c'était de penser que j'ai perdu beaucoup de gens de ma famille, alors je vais fonder une famille pour avoir beaucoup d'enfants. Parce que ce que Dieu veut de nos foyers, c'est que nous puissions travailler ensemble tous ces 5 points qu'on vient de voir pour que quand il reviendra, nous puissions tous, toute la famille aller à sa rencontre. Amen.
en Philippiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité... » Jusqu'à 19? Jusqu'à, ok, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Imana, irifuza ko mu ngo zacu tuba inshuti z'umusaraba. Dieu veut que dans nos foyers nous soyons des amis de la croix. Papa, maman, mwana, urahangaha. Imana irifuza ko twese tuba inshuti z'umusaraba. Chers pères, mères, enfants qui est ici, Dieu veut que nous soyons tous des amis de la croix. Nous avons dit que comme nous l'avons lu dans le verset clé qui se trouvait en 1 Pierre 2, verset 9, qui disait « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est ceci que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous propagions la bonne nouvelle dans nos familles. Pour que tous ceux qui nous voient disent, ça c'est vraiment un foyer, une famille qui connaît Jésus. Là où, si les gens voient nos enfants en dehors de nos maisons, ils puissent donner un témoignage que ces enfants-là ont vraiment eu une éducation chrétienne. Aho murugo ababyeyi abana bose bazana umunezero maze Yesu akifuza kwataha. Là où tous les membres de la famille amènent la joie, vivent dans la joie et que Dieu aime habiter parmi eux. Aho twese tuzatunezere kuvuga tuti nge n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Là où nous pouvons tous dire moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ngaho rero nidufate ingamba nshyashya maze koko dukorera Uwiteka. Alors prenons de nouvelles résolutions et travaillons pour le Seigneur. Reka mu rugo rwacu habe urusengero koko rw'Imana. Que dans nos foyers, on y trouve vraiment un hôtel pour l'Éternel. C'est ce que je prie pour vous et pour moi, au nom de Jésus.